Plop Pirtube, Plop YouTube, Plop la VOD, c'est Zikino. Donc bienvenue dans l'épisode 25 de Graveyard Keeper. Ça fait un bail que je n'y ai pas joué, j'ai été assez pris plutôt par des streams que du coup je mettrai pas forcément, voire la plupart pas en vidéo. Donc si vous ne me suivez que sur... que en vidéo, désolé. Si c'était à cause de la qualité du stream sur en 1080p qui passait peut-être pas forcément chez vous sur Twitch, je suis en train de tester de restream en simultané sur Twitch et sur YouTube. Donc si ça se trouve, je crois que sur YouTube on peut réduire la qualité, donc peut-être que ça passera mieux pour vous. Voilà, c'est une petite annonce comme ça si vous voulez interagir en direct. Du coup, où j'en étais, je ne sais plus trop. Tiens, apparemment, j'ai toujours la fertilité qui est en cours pour que mes plantes poussent plus vite, sachant que je ne pousse pas beaucoup, que je n'avance pas beaucoup là-dessus. Du coup, j'en étais à PNJ connu. J'ai remarqué en refaisant le point là juste avant qu'il n'y avait plus beaucoup de missions par rapport à avant, évidemment. Il y a la mission par défaut, retourner au portail, faire ce qu'il faut pour la colline aux sorcières, activer le portail. L'astrologue, il faut lui donner de l'acide pour lire la seconde partie du journal, pour avoir la seconde partie de ce qu'il faut faire pour m'échapper, et des outils de restauration, pareil pour la seconde partie du journal. Mais déjà la première partie m'avait l'air d'être des trucs compliqués, du coup je suis pas forcément hyper intéressé par le faire tout de suite. Serpent, mais si ça se trouve ça va être des trucs plus simples dans la seconde partie, du coup peut-être qu'il faudrait. Serpent, je ne sais toujours pas faire des clous ensanglantés, mais par contre... Ah, on peut les récupérer dans le don, on n'est pas obligé de les faire, voilà. Par contre, j'allais dire, on peut commencer à se faire quelques combats dans le donjon, descendre un petit peu, ça peut être intéressant. Le marchand, il veut la licence commerciale qui coûte toujours une blinde, mais ça peut peut-être pas mal l'améliorer. Je crois que pour faire du dîner, il faut ça, je sais plus. Puis les dîners, il faut des ingrédients un peu complexes de mémoire. Mademoiselle Charme, toujours le collier avec serpent, donc... la quête de serpent avant. L'évêque, augmenter l'église de manière compliquée, de toute façon faudrait que je fasse faudrait augmenter en fait toutes les tombes pour voir le 200 du cimetière, et puis atteindre 50 de beauté de l'église, ça me paraît pas facile. Et comme je vous disais juste avant, après il n'y a plus de quête. Enfin si, Oradric, le tampon pour de la viande. Mais il n'y a plus beaucoup de quêtes, ça tient plus ou moins en un écran en fait. Si on prend ça, la première on s'en fiche, celle de moi c'est la mission de base. Et l'inquisiteur qui n'a plus besoin d'être là, on peut remplacer par Oradric. Il n'y a que 6 missions en ce moment. C'est peu, on en a eu beaucoup plus. Même si certaines étaient, c'était juste pêcher et donner le poisson comment il s'appelle déjà, au baron gitan par exemple. Du coup, dans les technologies, j'ai encore pas beaucoup de bleu, je sais plus trop comment j'en générais plein à part en faisant du verre et en faisant des études. Donc voilà, là je pense que je vais me concentrer sur aller faire le donjon. Il me semble que ça faisait partie des choses que je voulais faire. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que je pouvais récupérer ça. Je suis pas sûr de m'être battu déjà avec l'épée actuelle et l'armure actuelle. Donc je vais peut-être pas la prendre tout de suite, l'amélioration. Déjà voir à quoi ça ressemble par rapport au niveau du donjon où je peux aller. Et si ça se trouve, en plus, il y a des trucs que j'avais totalement oubliés que je peux faire à la place. Déjà, je me rends compte que je suis au niveau... de la fabrique des mines, quoi. Oh, j'avais mis deux zombies à miner de la pierre, ça c'est bien. Parce que miner la pierre, ça va me permettre de faire des...
de mettre des cerclages et des tombes. Du coup, c'est très bien. Évidemment, je peux prendre une plante de boutons. J'ai juste pas de zombies pour faire les transports. Ouais. Est-ce que je prends ça? Ça oui, le reste peut-être pas. Est-ce que je peux l'enlever ça? Ouais. Allez, on va passer par ici. Hop. Est-ce que ça... Forcément, je me prends l'arbre. Donc ça ne sert plus à rien de penser au marchand. Par contre, demain c'est serpent, donc oui, aller dans les tunnels et tout, ça peut être intéressant. Enfin, faut encore en sortir avant la fin de la nuit, quoi, pour aller le rencontrer. Tous les deux là. Non, ils vont passer par la porte. Je crois que ça va pas être suffisamment bon. Yep. Oh, j'étais sûr que la porte allait embêter. Hop, je recolle. Hop. J'ai combien là? 1 sur 2. Ouh, j'ai encore. Je pense que je devais m'occuper de ça. Dans les priorités. Je crois que j'ai loupé un... Non, c'est bon. Ils sont toutes les deux là, mais... Bûche. Ok. Là, c'est à fond. J'aimerais bien avoir tellement plus de zombies. Juste que je sais pas encore trop bien comment les faire par défaut. Il me faut l'acide de l'extrait de zombie là, que je n'ai pas vraiment encore. Ouais, 95, il venait d'arriver quand j'éteignais le stream, la vidéo la dernière fois. Non, il faut d'abord lui retirer. Retirer les crânes, c'est intéressant pour faire les sculptures devant devant l'entrée. Ah, super. J'hésite là. 4. Si je vais le mettre au... Je vais l'enterrer quand même. À gauche. J'ai des certificats d'inhumation sur moi. Oh, j'en ai 3. J'en ai 3. Mais si je vais... Je sais plus si j'avais... Il faudrait que je recalcule là, avec les bougies, tout ça, si... Si ça passe...
Oui, je voulais faire de la pierre justement. Pour faire l'alambic, pour faire de la bière. Tant pis. Ah, j'ai oublié de poser ça. Je sens qu'en final, juste le temps de vider mon inventaire et de le reprendre. Non, de reprendre rien du tout, vu que j'ai déjà les armes sur moi. Ça sera déjà la nuit, le serpent sera parti. Bon, après, c'est pas dit que je trouverai directement non plus un comment ça s'appelle ? Des clous ensanglantés. Donc ça faut poser, ça faut poser, ça faut poser. Je sais pas ce que je faisais avec les clous, donc on les pose. Et ça me paraît pas mal. Et j'ai beaucoup de vin, donc j'en pose. Vu qu'il y en a qui est en train de me courir après là. J'ai déjà utilisé la moitié de mon énergie, j'ai rien fait. Enfin, rien de ce que je voulais en tout cas. J'ai pas de stock de vin ici. Ah non, je le vends à chaque fois, c'est pour ça. Du coup, poisson à poser peut-être aussi. Une épée rouillée, mais j'ai une épée. J'ai une épée parouillée sur moi, oui. Bah, à vendre. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs là. Je me suis pas laissé dans la meilleure des dispositions pour la suite. Alors, un crâne. Je crois que justement il en faut 5 pour faire le truc en bas. Pour faire les comment ça s'appelle ? Pour faire les sculptures de crâne au sous-sol. D'os. D'os bois, on y met dehors. Même ça. Bon, alors ça va être le jour de l'homme, l'inquisiteur, il n'y a rien à faire. J'ai pas de bière, j'ai pas de... J'ai ni bière ni hamburger. Bref. Le poisson, j'ai dit, je devais le poser si je peux. Ou le préparer et le poser. Les clous, je voulais poser, et puis après, on peut aller dans le souterrain. Peut-être essayer de lancer une... J'ai pas de sable. Oh, un autre cadavre. Je suis content. Juste quand j'avais fini. Bon, on va s'occuper du cadavre. J'aurais peut-être dû passer par l'extérieur. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Du coup, je récupère tout ça. Que j'aurais à vider. Alors, crâne, on dit qu'on en avait besoin. La viande, on en a besoin aussi. En plus, je fais des. Mon personnage n'est pas très soigneux aujourd'hui. Je fais des erreurs médicales à tout va.
plus assez d'énergie. Ouais, c'est pour ça que j'avais plus d'énergie. C'est juste j'avais fait une opération sur un mec. Et plus d'énergie. Voilà, on a passé une journée. Je me suis juste remis en condition pour faire la suite. Et encore, j'ai pas reposé les nouveautés. Que je la mets. Voilà. D'ailleurs, ça fait quoi déjà cette soupe? Récupération d'énergie en dormant est augmentée. Oh! Je me souviens pas de ça. Les poissons vous échappent moins facilement, ça je m'en souviens, mais je me souviens pas que la récupération d'énergie en dormant était augmentée. Celui-là, je m'en souviens point. Ok, fermé. Bon, je suis mis d'énergie, même moins, mais j'ai masse de trucs à manger pour pouvoir en récupérer. Donc ce n'est pas trop grave. Serpent s'est déjà barré, même peu le temps de lui dire coucou. Oui. Mais je sais pas trop ce que ça fait de changer la qualité. Oui, niveau 2. Voilà. Alors. Je crois que j'étais venu, mais... Je suis même pas sûr. Oula, 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 j'enchaîne les lags. Ça non plus. Ok, celle qui ne servait à rien. Enfin, juste à me perdre, quoi. Ouais, non. Prochain lag, je mets en pause, j'essaie de fermer quelques onglets. Plus d'énergie, ok. Ok, non, c'est mort. C'est mort. Attendez 2 minutes. Ça, on va fermer. Ça. Mais normalement, j'ai pas non plus des trucs de ouf, quoi. Ça m'étonne un peu que... fermer grand chose, donc ça m'étonne un petit peu là. Ouais, si, c'est peut-être le... J'ai oublié que du coup avec Restream j'ai un double retour, mais un retour de plus vu que j'avais gardé l'onglet Twitch ouvert quand même. Oh, des graines. Des
Graines, ça c'est bien. Non, ça, ça ne veut pas. C'est bien, déjà cette salle est un peu mieux. Là j'ai vu un slim, ce serait bien qu'il soit pas caché par le terrain. L'épée elle est bien, mais je crois que de base je fais deux coups pour détruire, donc je suis toujours à deux coups pour tuer les gens. C'est pas beaucoup mieux, oui. Ah d'accord, je suis blindé. Je pensais que ça laguait, non, c'est juste que je suis blindé. Oh! Est-ce que je peux mettre des choses dedans? À quoi ça me sert de mettre des... du matériel dans des étagères à parchemin? Je ne sais pas trop. Les pommes au four. C'est ça qu'il faut que je mange. Voilà. Et là, ça me fait plein de dos. On redescend. Stagiaire à parchemin. Ça me sert à rien. C'est plus pour oublier des choses ici que. Que utile, quoi. C'est quand même le donjon de la torture. Parce que si je mets, je sais pas moi, des dos là, pour, en me disant je fais un stock. Pas que j'oublie que j'en ai mis, sinon ça disparaît quoi. Après je sais pas si ça va pas disparaître dans tous les cas, mais... Ok. Ok. Les asticots, non les asticots ne prennent qu'une place. Ramener là parce que. Voilà. Ramener à un endroit un peu visible quand même. Parce qu'après je vais l'oublier involontairement. Allô? Voilà. Mon PC il a pas envie aujourd'hui le stream. De Northgardier, il lui a suffi. 11, ça fait beaucoup 11. Pareil, 8, 8 vins rouges, ça fait beaucoup. J'aurais dû poser l'épée. Hein. J'aurais dû poser l'épée. Oh, super. Ah, ça j'aurais peut-être pu. Non, je peux pas lui. Graines de blé, oui, c'est vrai que je pouvais regarder. Graines de blé, betteraves, c'est pas forcément les plus intéressantes. Ouais. J'avais pas l'air trop compliqué à faire, mais je crois qu'il me faut une technologie en plus et je l'ai pas encore quoi. Allez, c'est parti. Plus bas, plus profond. Non, y a rien à l'air d'avoir ici. Oh, des nouveaux ennemis. Oh. En plus, ça fait différentes poudres. Ah, c'est affreux. C'est affreux, ça, par contre. Ça sert à rien que je me batte, que j'aille plus profond si c'est pour louper toutes les poudres. Parce que... Ouais. Je vais remonter, du coup. Et
Qu'est-ce qu'on a? On a de la dosse, on a des graines. Juste la cruche, je sais pas trop où la mettre. Peut-être à l'église. Ici non. Ici on pose ça, on pose ça. Les ailes et les blobs, j'aurais dû les poser en bas. Je sais plus c'est lequel, c'est celui-ci. Pour les ailes aussi, je l'ai mis à côté, je les ai mises à côté, super. Pas très très intelligent. Ensuite, les dos c'est là-haut, les graines c'est là-haut, et la céramique, j'ai dit, au niveau du... au niveau de l'église. Ça me pose. Les dos, on a dit aussi. Pas efficace, c'est moi. Non, ça, ça, ça et celle-là. C'est la nuit, mais c'est bientôt le matin. De mémoire, le... Comment ça s'appelle ? Le bar, la taverne, est ouverte toute la nuit aussi. Du coup, je pourrais faire le raisin, aller à la taverne. Et après vendre l'épée. Il en manque, super. Est-ce que je presse le raisin tout de suite ou est-ce que j'attends de faire mon aller-retour? Je ne sais pas trop. Je crois que je vais quand même faire l'aller-retour avant, vu que je suis déjà sur le trajet. J'ai pas posé la céramique. Ah si, c'était en déchiquetant des pages. Non, ça me donne de la science, déchiqueter des pages. Non, je sais plus. Peut-être que je peux aller jusqu'à voir l'astrologue, mais il me dira pas grand chose. Il me rappellera pas bien comment construire ces trucs-là. Roderick. Il me faut pas vraiment, mais tant qu'à faire, autant avoir mes sous. J'ai pas de tampon, commercer. Hop là. Je l'avais étudié l'épée. De quoi? Commercer.
c'était 5 de dégâts. Ouais. Ouais, ouais, je m'en fiche. Je m'en fiche maintenant, j'ai une épée normalement meilleure, j'ai même pas vérifié. 10 de dégâts, deux fois meilleure. Ah si, du coup, au lieu de faire 3 coups, ça fait 2 coups. Ok, non. Donc elle est bien utile, cette épée. Et peut-être que la suivante est encore mieux. Des œufs. Des œufs, je crois que c'est pas mal. Pour les recettes. Ça coûte pas trop cher, les plumes, j'en ai pas besoin. Pour le moment. Lui et son chanvre. J'ai pas besoin de graines, j'ai rien à lui vendre. Surtout qu'il prend ni corne ni chanvre, je crois. Alors, l'astrologue. Peut-être on va voir aussi le pêcheur du coup. Ah oui, l'acide ressemble à ça, les outils de restauration à ça. Ok. C'est vrai qu'on peut lui acheter des livres de bleu là. Mais bon, ça fait cher pour avoir un petit peu de ressources. Mais c'est peut-être en faisant des livres reliés qu'on obtient ça. Ça devait être ça. Qu'on lui crée quoi. Ouais. J'aurais pu lui vendre à pas grand chose, vu qu'il les achète à 70. Enfin, il les vend à 70. Oh, leurre en acier. Leurre en acier, ok, des leurres en acier. Et une bonne canne à pêche, consommation d'énergie moins 1. L'efficacité de l'outil 90%. Oh, efficacité de l'outil 100%. Leurre orné d'une gemme. Ah oui, carrément. Carrément. Et là, c'est quoi? 75% 1 d'énergie, 90% 1 d'énergie et 100% 0 d'énergie. C'est pas marqué en tout cas. Est-ce que c'est rentable de passer directement à la meilleure? Je pêche pas tant que ça. Après, ça me coûte de l'énergie. Mais je pêche pas tant que ça. Et apparemment, il faut en plus payer ça. Ça fait 10 à payer. C'est assez cher pour le moment. Je peux pas rentrer là-dedans. Non. Je ne peux pas. Non, j'ai pas besoin d'aller là. Non, j'ai pas grand chose à faire là, juste retourner. Essayer d'utiliser un peu mon énergie pour dormir un bon coup. Et d'ailleurs, utiliser l'énergie, ça part vite. Hein. Avec le raisin, tout ça, pressé. J'aurais pu passer en bas. Du coup, je vais passer par les graines. Mais je sais pas quoi acheter. C'est un peu con, peut-être. C'est peut-être un petit peu con. Alors. Il n'y a pas de graines dorées quoi. Je sais que les oignons dorés, la citrouille dorée, je crois que c'est bon. C'est déjà fait, mais. Oui, vas-y, creuse. Ça ne fonctionne pas. Non, tu veux. Non, ça doit appartenir au. Ça doit être trop près du paysan, de l'agriculteur. J'ai mis combien de coups pour tuer les mouches? 2 aussi? Je sais plus. Euh...
voulais poser ça là-bas, je vais quand même presser avant. Je passerai par les souterrains. J'aurais dû vendre du vin. Je savais qu'Oradric, je le voulais et je voulais le voir pour plus que... Ah ok. Ouais, bah tout le vin à faire, un check qualité. On va commencer n'importe. Du coup ça prend 3 slots. Poser la céramique. J'allais oublier le cadavre, donc je m'en occupe tout de suite. Avant de l'oublier, mais j'oublierai la céramique. Ouais. Envie de dormir. Parfait score. Plus demain, il y a le serment à faire là, j'allais l'oublier. J'allais retourner dans la mine sans faire le serment. J'ai réussi à ne pas oublier la céramique. Parce qu'il me semble que la céramique en a besoin pour genre... Ah non, c'est de la céramique fermée. Urne funéraire en céramique. Si je sais pas parler non plus. Tant pis. Oui. Ça, ça n'a pas été étudié. Peut-être pour ça que je sais pas combien ça tank. Non, là je l'ai pas étudié donc. Partir faire du combat plus bas dans le donjon, je vais là, je vais prendre les armes en acier. Ah mais acier, ouais, l'acier il est là mais j'en ai jamais fait en fait de l'acier. L'acier il faut l'autre. Ok, donc ça sert à rien. J'ai failli encore utiliser mes points pour quelque chose que je n'ai pas encore. Du coup c'est où ? Minage. Ça. La cuisson de la céramique. C'est ce que je disais. Et il me faut du graphite pour pouvoir faire de l'acier. Si j'ai
bien compris, puisque là c'est marqué fabriqué à fourneau 2. Du coup, je prends ça comme ça. Mes mineurs vont pouvoir de temps en temps miner de l'or, de l'argent et du graphite. Et il me faut un zombie qui fasse le trajet, mais c'est pas grave. Pour le moment, il mine, c'est tout ce qui compte. Mais il va m'en falloir pour faire le trajet. Et dans pas si longtemps que ça, ça serait mieux. Quoique les stocks, vu que c'est dans une malle et que ça se stack bien, ça doit pas être gênant. Tac. J'ai quoi comme stock? En bois. J'ai de la dos. Je vais refaire des rondins pour les prochains. C'est pas là, c'est là. Des billes de bois pour les prochains à brûler. Et on s'endort. Ça va être le... un sermon au crépuscule, mais c'est pas grave. Quoique, midi. Midi, ça va. Pourquoi j'ai le jus de raisin sur moi, par contre? Je ne sais pas, je voulais le poser. Fini, mais pas encore. Je l'ai pas pris sur moi. Attendez, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Je peux atteindre 49, mais il lui faut 50, donc ça ne sert pas à grand chose. Ah oui, les bancs d'église améliorés, il fallait du tissu et tout. Mais c'est ce qu'il faut pour monter. Enfin, c'est, ça fait partie des trucs possibles pour monter de niveau. Alors. Du coup, toi, tu vas faire du vin de bonne, de qualité correcte. Je cherchais ça. Je m'en fiche des cultures. Et on va enfin faire ce sermon au crépuscule comme prévu, mais. Pas parce que je me suis réveillé au crépuscule. J'ai juste rien fait entre temps. Je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse. Sympa, sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. 8. Ah, ça fait du bien. Quand je galérais à en avoir. Ça change. Hein. Ok, sympa. 9, 10. Ça en fait 11 en tout. Je sais pas combien il m'en faut pour faire du... pour faire des recherches intéressantes. Je vais le garder pour le moment. Euh, 45 pièces de cuivre, argent, bronze, bronze, pas cuivre, bronze. Alors, on repose la foi, on repose le sermon, et on va se battre. Allons nous battre. Soupe aux poissons, elle me prend un item, un slot qui n'est pas forcément utile. Et le l'astico, c'est pas grave.
de sortir. Sous la pluie en plus. L'asticot supplémentaire là, je le mangerai directement. Crâne contre le mur, comme ça, ça fait une belle entrée. Ou crâne dans la colonne, comme ça, ça fait un bon côté gauche, ou une belle diagonale. Un truc bien bizarre. On va faire contre le mur. Voilà, un peu de symétrie, moi j'aime ça. On entre dans le donjon. Et là, on croise les doigts. Pour que toute la poutre soit restée. Et évidemment, non. C'est le seul endroit du jeu où les objets disparaissent. Oh, punaise. Oui, je les one-shot, les mouches, ok. Poudre de vie, poudre toxique, c'était la rouge. Poudre d'ordre, poudre de ralentissement. On va pouvoir faire de l'alchimie avec tout ça. J'ai déjà quasiment tout utilisé. Hop là, une place. D'inventaire de plus. J'aurais peut-être dû le garder comme ça. Je l'ai libéré au moment opportun. Je vais prendre un peu de vin. Ordre d'ordre santé et accélération, les poudres. Graines d'oignon, graines de ferraille. Ça c'est des graines de base, genre betterave et comment ça s'appelle, blé. Je me demande si je combats vu que j'ai plus d'espace, si une autre poudre. Voilà, par exemple la violette là, je ne pourrais pas la récupérer. C'est bien une graine d'oignon. Si elles sont là, c'est qu'elles sont mieux que la graine d'oignon bronze. On est d'accord. Et il y en aura une en or. En soi, les dos. On s'en fout beaucoup. Une graine d'oignon en or. Par contre, ça. Celle-là en bronze, je peux les. Je peux les acheter facilement. Poudre de chaos. Okay, donc il y a quelques graines qu'on n'aura pas prises. Qu'on n'aura pas récupérées. Mais je vais éviter d'aller plus loin. Il y aura encore plein de trucs que je vais laisser. Et à chaque fois, ça m'embête de laisser. Certains items par terre. N'empêche, des graines d'oignon argent et or, c'est plutôt pas mal. Alors, on va où? On va dans le coffre juste ici pour poser toutes les poudres. On ne pourra pas les poser dans celui-ci. Au moins ça. Est-ce que dans celui-ci les poudres sont faisables? Je
vais les mélanger avec les cendres, mais c'est pas grave. Voilà. Ça fait déjà de la place dans l'inventaire. Ensuite, on va poser les graines là-haut, la ferraille. Et on va vendre... Ouais. Oh, bientôt fini. Les graines, la ferraille. Faudra vendre ça et ça tout de suite. Non, les graines, on n'a pas posé. On ne les a pas encore posées. Voilà qui est fait. Ah ben voilà. Si j'avais pris si j'avais gardé la graine d'oignon argent, bronze, j'aurais pu refaire des oignons en bronze. Mais ça devait être graine de blé et betterave. Oui. Je pense que ce n'était donc rien d'important que j'ai laissé en bas. Et même la soupe, j'en ai pas besoin de la garder sur moi. La soupe pour bien dormir. Je sais comment récupérer mon énergie sans que ça soigne ma santé. En dormant, enfin en méditant à côté de mon... En méditant quoi. Mais je ne sais pas trop comment faire l'inverse. Oui, c'est tout en bronze. J'en gardais une vingtaine. Dizaine, vingtaine. Ouais, vingtaine quand même. Oh, ça va faire du bien tout ça. Terminer l'offre. Pièces d'argent. Ah, le vin, ça rapporte. Bon, en vrai, l'agriculture en général rapporte. Oui. C'est l'agriculture en général qui rapporte. Je vais vendre le vin direct. Ça sert à rien de le stocker. Pour le peu que j'en sais. En fait, je... Je me souviens avoir vu... sur le Twitter des développeurs et avoir même voté comment vous voulez que la taverne soit et tout, quand ils étaient encore assez tôt dans le développement de mémoire, et je sais qu'elle évolue du coup, mais je sais plus exactement comment. Ah oui, la différence de sous qu'on gagne quoi. Du vin de pièce de qualité, oh, 38 pièces de bronze. Ça te va? Ah, du vin de qualité correct. Ouah, 39 pièces de bronze, hein, une de plus. Et une pièce d'argent. Ah bah ouais, hein, tout de suite. Tout de suite, ça rapporte. Surtout que si je l'utilise moi-même, ça ne me donne que 10 d'énergie en plus. Mais comme on peut le voir, c'est plus la vie qui m'embête que l'énergie. L'énergie, au pire, j'ai les pommes au four, tout ça. Ouais. En fait, je crois que j'ai un cadavre qui devrait arriver.
Mais je me dis... j'ai plus rien sur moi. Ça fait bizarre. Est-ce qu'il est là ? Oh, super. Ils l'ont fait exprès. Bon, alors il a plus de carottes, lui. Ouais, il a plus de carottes. Très bien. Très bien, il n'y a plus de carottes. Qu'est-ce qui est intéressant de faire? Parce que là, je récolte des poudres, mais en soi... Si, ce serait aller plus loin encore dans le sous-sol pour... Ouais, non, c'est pas mal utilisé tout ça. Aller plus loin dans le sous-sol pour... Pour récolter encore plus de nourriture. Enfin, pour essayer de récupérer les clous. Ça peut être pas mal. Essayer d'avancer le cimetière. Pum, pim, pum, pum. Ouais, ça me faut des machins. Ah mais du coup le graphite, on peut le produire maintenant à partir du charbon. Genre je mets du charbon comme combustible et après je mets du charbon à cuire et ça me donne du graphite, ce qui pourra me donner des lingots d'acier. Et du coup maintenant débloquer les armes améliorées est tout de suite beaucoup plus intéressant, accessible. J'ai quoi? Il faut que je pose ça. Je sais plus si j'avais tout reposé là-bas en bas, je crois pas. Au pire, j'utilise mes stocks et mon énergie. Ah bah si, j'avais déjà tout refait. Ok, tant pis. Je suis déjà remonté, tant pis. Je vais faire encore un retour à côté de l'église dans la boîte aux lettres. Non, avant je vais regarder quand même. Je vais regarder la recette, là où les recettes de dîner. Ah oui. Voilà, je peux faire une urne funéraire en céramique. En fait, on s'en fiche de la qualité de mémoire. Ici, je peux faire le pain, je peux faire les... En facile. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément d'avoir de la qualité. Ce qu'ils voulaient, de mémoire, c'était juste des dîners. Je sais même plus combien, mais... attendez, on va regarder. C'est peut-être marqué... le marchand, 5 dîners. Ah non, qualité or. 5 dîners, qualité or. Ok. Heureusement que j'ai quand même vérifié. Donc pour faire des dîners qualité or, des oignons qualité or, ça aide. Oh, des dîners qualité or, punaise. C'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Du coup. Parce que déjà rien que le faire, par exemple. Avec ce que j'ai, lentilles, soupe à la citrouille, poisson pané, soupe de poisson, ouais, puis la gelée, ça, je peux le faire, ça se fait un truc qui a été bronze, donc on s'en fiche, 63 et 63, donc on s'en fiche, c'est pareil,
viande rôtie, c'est moins bien que la soupe de poisson. Soupe aux légumes, c'est comme la soupe aux poissons. On va se la mettre là, juste pour tester. Ici, il y avait la gelée rouge, ok. Les gâteaux. Ici, il n'y a pas beaucoup de choix en plus. Fabrique à four, muffins et croissants. Fait comment ça? Non, attendez, ça améliorait beaucoup le muffin et croissant, je sais plus. 63. Non, ça n'améliore pas du tout. Alors que la gelée. Gelée verte. Il faut du miel quand même. Il faut du miel, mais les muffins et croissants, va falloir de la pâte à tous les coups. Bon, je peux même pas les faire, on dirait. On dirait que je ne peux même pas les faire. Ça, poisson pané. Ah, ça, je peux faire. Ça, je peux faire, c'est facile. Est-ce que le poisson pané, ça améliore? C'était où? C'était là. Là. Poisson pané, je l'avais vu où? Hop, on se remet à zéro. Ici. Poisson pané, ça diminue. Par rapport à la soupe, ok, très bien. C'est par rapport à la soupe. En fait, c'est une soupe de qualité meilleure qu'il faut, quoi. C'est tout. Ou du saumon fumé, ou du poisson royal, qui doit être un poisson bleu. Attendez, poêlée de citrouille. Ça doit être... toutes les améliorations durent plus longtemps. Ouh, ça c'est bien. Ça peut être pas mal. Alors, les citrouilles... Je sais plus si je peux en faire en or. Mais si j'en prends déjà en bronze. Les onion rings... En bronze... Voire en argent. Parce qu'il me faut un truc qui fasse 100% or, enfin... Gâteau quoi. Gâteau ou tarte au raisin de bonne qualité. Oh là là. Oh là là, ça me paraît bien compliqué tout ça. Ah, une poêlée de citrouille qualité or, voilà. Avec... avec une tarte au baie, non. Une tarte au raisin de qualité or, mais j'ai pas la qualité or. Et un gâteau, je l'ai pas en qualité or, le gâteau de mémoire. Pour ça, il me faut des oignons de qualité or et j'ai pas. De la choucroute. D'ailleurs, entre les champignons cuits. Ouais, les pommes au four, c'est pareil. Et le pain, c'est pareil. Ou alors, faut faire des trucs qui sont pas à 100%, mais voilà, à 30% de faire du doré, mais je peux en faire plein. Et du coup, en espérer tomber dessus. Mais pour ça, faut avoir une source de trucs dorés continue. Et ça me paraît compromis pour le moment. Du coup, ce que je voulais faire, marchand, je vais essayer de faire un petit peu de graphène aussi. Ouais, graphite. Ouais, ça coûte un peu cher. Je crois que j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de faire l'aller-retour. Prendre le tampon commercial, la licence commerciale. Pas le tampon pour donner de la viande. Donc ça coûte 50. Je peux le prendre. Mais autant essayer de voir avec Serpent qu'est-ce qu'il lui faut. Je crois
crois qu'il lui fallait juste un peu plus être content avec moi. Et bon, vendre juste de la viande, ça me paraît pas forcément l'idéal maintenant. À ce point de la partie, licence commerciale. Ça, ça me paraît bien. Ça, ouais. Et aristocrate. Ah, il faut acheter. Il faut acheter aristocrate pour avoir les papiers d'aristocrate pour je ne sais même pas quoi. Licence commerciale. Acheter. Donc là, citoyen légitime ne sert plus à rien. Et je suis donc pauvre. Quoique j'ai quand même 17 pièces d'argent. On va essayer de vite. J'aurais dû passer par l'église. Ça aurait été plus rapide. Je vais arriver directement ici. Non, le. C'est pas possible, là, le marchand il est déjà parti. Je vais devoir attendre une semaine. Dommage. Quand même en avoir le cœur net, mais. Ouais, il n'est pas là. Deux de graphite. Non. Je vais garder sur moi, même si. Même si ça va un peu m'encombrer si je retourne au sous-sol. Miel. Prendre au moins ma ruche à moi. Ça fait longtemps. 4 de miel et une cire d'abeille, ok. Ok. Ouf, ils ont disparu comme ça. Minuit, les chauves-souris disparaissent. 3 de miel et une cire d'abeille, ok. C'est un peu la même chose. Ça me fait bizarre. Je pensais que les ruches à moi, les ruches que j'ai créées me donneraient plus. Enfin, après, l'avantage des ruches. Les ruches que j'ai créées, c'est qu'elles sont toutes collées, quoi. Je pourrais miner la pierre. Peut-être en rentrant. Ding, ding, ping, boum. Ping, ping, boum. Sur d'abeilles et miel. Comment ils s'en sortent. Il y a quand même. Ah bah là il commence à galérer. Il y a ouais 3 de stock de fer et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, masse de stock de pierre en fait. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là. Ah bah toi, tu veux me faire les allers-retours. Parfait. Ah, parce que c'est le fer en priorité. Pas regarder le stock, ou je me suis pas souvenu du stock. Tu sais quoi, on va t'inverser les priorités. X. Tac. Alors.
D'abord, tu mets la pierre. Ah, l'infini. Et ensuite, tu te fais ton fer. Hop, X à l'infini, à l'infini. Est-ce que c'est bien l'infini? Oui, c'est bien l'infini. Ah, je l'ai sur moi du coup. En allant un peu plus vite, s'il te plaît. Merci. Ça me fait penser. Est-ce que je peux en mettre plusieurs sur la même table? Non. Ça aurait pu être sympa. Voilà. Ce poste-là. Oh! Deux pépites d'argent. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Pas du tout. Mais ouais, en faisant la pierre en priorité, il n'y a plus qu'un mineur de pierre. Et en plus, il y a masse de stock de fer. Bon, faudra vérifier que ça suive. Vu qu'il y avait carrément des stocks de fer. Mais bon, on verra. Parce que si je vais voir Clotho, ça me sert pas à grand chose. Là il y avait quoi? Pourquoi il y a un début de chemin? Rien. La forêt vierge. Ouh, un arbre qui fait peur. Si je vais récolter du sable. La potion, ça pourrait être bien aussi d'ailleurs. Est-ce que ça finit pile poil? Parfait. J'ai pris des asticots. Je voulais que ça finisse pile poil. C'est ce qui s'est produit. Bam, bim, bim. Plus de zombies pour ce que je veux faire, pour tout automatiser. Il faut beaucoup plus de zombies. J'ai beaucoup de charbon, d'accord, très bien. Ouais, j'ai déjà 90 de sable. Du coup, faire mes premiers lingots d'acier, voir ce que ça donne, tout ça. Je pose tout le sable. Les abeilles, j'en ai combien? 6, très bien. J'ai eu peur de devoir me souvenir comment il fallait les utiliser. C'était là. Il y a quoi comme recette à base de miel? En même temps, je me demande
Mais je vais bientôt arrêter l'épisode, du coup je m'en souviendrai pas la prochaine fois. Hamburger. Il fallait que ce soit d'une certaine qualité les hamburgers pour l'inquisiteur. Je ne sais plus, je ne crois pas. Bam 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 bam. Oups, j'ai cliqué dessus en espérant pouvoir changer la qualité de salade ou quoi. Mais en fait non. Par contre, ça veut dire que que je peux mettre de la. Pourquoi ça me met un sandwich de qualité bronze? Mais ça veut dire que je peux mettre sandwich dans les dîners pour espérer avoir de l'or, vu que je peux en faire un. Bref, sur ce, c'est la fin de cet épisode 25, si je dis pas de bêtises. J'ai regardé au début, mais ça commence déjà à faire un bout de temps. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à follow la chaîne PeerTube et ou YouTube, suivant vos habitudes. Et surtout, les lives, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des messages en direct. Et je vous dis à très vite.